on va au grand bornant. Geste barrière Covid-19 oblige, on se met tous un masque et on prend un téléphérique puis un télésiège pour monter au déco. Alors si tout va bien, on a prévu le déco au grand bornant, puis une transition vers Charmieux, puis le Mont-Lachat, puis une grande transition de 8 km vers la Tournette, une petite incursion vers le Lanfonnet pour attendre que le soleil tourne à l'ouest, retour à la Tournette et transition vers Sulins, transition vers le Col de Fer pour monter au Charvin et enfin traverser de la vallée en direction du gîte de Crévolan. Là-bas où il y a la neige et puis faire un grand tour et puis revenir. Enfin voilà, des plans un peu larges. On va voir si on y arrive. Les copains ils sont devant. Voilà. Donc on les suit et avec un peu de chance, on va pas faire un pas. Il y en a qui montent devant au nuage. Là-bas doit y avoir Genève. Genève qui est par là-bas, le lac d'Annecy qui doit être par là-bas. Voilà, on se promène. Épisode numéro 2. On a fait le plein là. On est à 2424 et les copains ils sont devant. J'essaye de les rattraper. Et là les copains qui sont en train de faire une transition de 8 km. Donc ça va faire mal parce que je descends à moins 1,9, là c'est pas bon. Accélérer un peu. Ah putain, moins 2,1, non c'est pas mieux si j'accélère. Alors je ralentis. Je suis à 48 km/h. Bon, je la sens mal cette transition là. Elle est loin la montagne, elle est loin. Voilà. Bon la suite au prochain épisode. J'aurais dû amener de la lecture. Je pourrais peut-être me regarder un film sur Netflix là. Bon, on a retrouvé le thermique. Ils sont sympathiques les thermiques ici. Hop. Il y a un planeur là-bas. Il y a Paul là devant et puis à gauche il y a Denis. Paul, ça va? La vie est belle? Il paraît qu'il y a un troupeau de bouquetins dans un évé. Et là je me fais un peu brasser donc je ne vois pas les bouquetins. Et je vois le lac d'Annecy. Et je vois Paul qui est léger sous sa voile. Et c'est pour des jours comme aujourd'hui quand on fait du parapente. C'est Nicolas Hulot qui vous parle. Bon bah je pique le thermique à Denis. Alors il est où le thermique que j'ai perdu là? Oiseaux en bas. Ah, il y a des traces de ski là, il y a des mecs qui sont venus faire du ski. Voilà là de côté. Est-ce que je fais le tour ou je passe? Dis donc, Albert, on n'est pas un peu dans le nuage là?
là-bas. Là-bas à gauche, c'est le Charvin. Le Charvin. Et là au fond, dans la vallée, il y a plein de voiles. C'est Marlance. À droite, tout au fond, il y a Annecy, au bout du lac. Annecy. On est pile sur l'arête là. Serre les fesses. Faut que je revienne dans le thermique. Il était là. Alors là, il y a un planeur là. Il est où? Il est là en bas. Il me passe sous les pieds le planeur. Voilà le planeur là. Au radada des crêtes. On fait le tour de la tournette. On se fait un peu brasser là. Les copains dans le nuage là. C'est Étienne, Étienne. Allez, vers toi, on fait le dernier nuage là-bas. Coucou les gens. C'est moins fatigant en parapente, hein. Bon ben, ça monte bien dans les nuages, hein. On va passer au-dessus du nuage là, si on continue. J'espère que le nuage, ça a l'air d'aller. Pépé. Bon, il m'oblige à tourner à gauche, je déteste ça. Je fais des ronds carrés. Salaud. Il y a deux vautours qui tournent sous moi. Vous voyez là, c'est un peu dur à voir. Allez le vautour, viens me faire coucou. Voilà, et maintenant je suis dans le nuage. Avec les vautours. Maintenant que le nuage s'est un peu écarté, on voit le Charvin devant nous. On va servir le plateau repas. Voilà. On remet le papier dans la poche. Alors ça c'est bon ça. Oh là là. Ça, ça vaut du plateau repas Air France, hein. Bon ben on arrive au col de fer. Ça c'est le Charvin. Là-bas, il y a Marlance. Et là-bas, il y a la tournette qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, on a Ugine de bas, en bas, en bas. Et on passe sur les faces est du Charvin. Voilà, tiens, il y a déjà une voile. Hop, 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 hop. Ouais, ok, 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 ok. Toujours au Charvin là, c'est pas la même aérologie, ça bouge. Oh. Ouais, ça monte en dynamique sur le Charvin apparemment.
comprends. Ouais, voilà. J'allais en parler. Du Charvin, il m'oblige à tourner à gauche, moi qui ai horreur de ça. Dans les nuages là, et en face juste en bas là, c'est le village de Crévolant, et c'est là qu'on loge. Donc on va essayer d'atterrir là-bas au gîte. C'était pas prévu ça. Bon, emmêlé dans les suspentes. Bon, on va démêler. Hein. Voilà. On a fait un beau vol, c'était bien sympa. Voilà. Bon, faut que je fasse un peu de démêlage là parce que j'ai un peu mis les pieds dans mes suspentes.